Depuis 2010, la filière bois, la filière forêt bois, a très sensiblement accru sa part dans la composition du PIB national, contribué de manière importante à la diversification de notre économie, ainsi qu'à l'évolution de celle-ci à travers le passage d'un modèle de rente à un modèle productif, davantage créateur de richesses. Elle a également permis, ce dont nous sommes particulièrement fiers ici au Gabon, la création de près de 13 000 emplois depuis le début de la décennie. Mesdames et messieurs, il est clair que ces résultats n'auraient pu être obtenus sans la volonté politique des autorités de ce pays. Rappelons qu'en 2009, sous mon impulsion, une mesure forte a été prise dans ce sens. Il s'agit de l'interdiction d'exportation des grumes, mais à cette époque, cette décision précurseur prise en modèle ailleurs en Afrique marquait une rupture. Il faut le rappeler, ce choix n'était pas sans risque. Il s'inscrivait simplement dans le cadre d'une vision claire, une stratégie qui prenait en compte les potentialités d'un secteur porteur de croissance.